Bonjour, mon nom est Amélie et je suis instructeur de yoga. Quand vous commencez un programme de yoga, il est vraiment important de consulter son médecin afin de s'assurer que nos capacités physiques soient adéquates pour ce programme. Il est aussi important d'éviter les positions qui vous causent la douleur et de prendre des pauses en chacun des exercices. Si vous ressentez des douleurs modérées à sévères, il est important d'arrêter le programme et de recommencer le lendemain ou quelques jours plus tard. Lorsque vous commencez le programme, il est préférable de suivre un cours de yoga afin que les positions soient bien faites et d'éviter les blessures. OK, donc le premier mouvement, on va faire la jambe, le lever de la jambe. Donc, vous allez prendre une de vos jambes et la lever le plus haut que vous pouvez en gardant les genoux droits. Gardez la tête au sol. Et on la descend. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On lève la jambe. Et on descend la jambe. Excellent. Le prochain mouvement, c'est qu'on va faire l'embryon. On va rapporter nos jambes vers notre corps en tenant en dessous de nos cuisses. Et on tire vers nous. Et on relâche. Donc, le prochain exercice, c'est de la marche sur place. C'est de la marche ou du jogging. Nous, on va faire de la marche. On lève les genoux au maximum qu'on peut. Donc, on lève les genoux super haut. On voit un rythme assez comme si on marchait normalement. Exactement. Donc, on fait ça quelques minutes. Donc, le prochain exercice, on va continuer à marcher, mais en allant toucher nos fesses avec nos talons. Donc, on marche comme ça. On plie les jambes le maximum qu'on peut. On essaie d'aller toucher nos fesses avec nos talons. Exactement. Là, on sent l'étirement dans notre genou. C'est ça. Maintenant, on va continuer à marcher, mais on va aller porter nos genoux sur le côté. Donc, on lève nos genoux vers le côté pour étirer un petit peu les hanches. Exactement. C'est ça. Excellent. C'est bon. Donc, le prochain exercice, on fait des rotations du tronc. On lève nos bras ici. On va tourner le corps vers la droite et vers la gauche. Donc, prenez une grande inspiration avant. En expirant, on tourne et on y va. Quand on n'a plus d'air, on peut inspirer quand même. Exactement. Excellent. C'est bon. Donc, on y va. On va monter les bras vers le haut. On va faire des étirements avant et arrière. Donc, quand on va derrière, on va inspirer. Et là, on va vers l'avant, on expire. On reste là 3 secondes. Et on remonte. Inspirez. Et expirez. Et on remonte une dernière fois. Et descend. Et on lâche. Excellent. OK. Avec les pieds à la largeur des épaules, vous allez apporter vos bras en haut en inspirant. Et on va aller chercher sur le côté. Et reviens. Et sur l'autre côté. Et reviens. Excellent. On fait ça quelques fois quand on fait notre réchauffement du début. Et on y va. Donc, on lève nos bras vers le haut. On fait la position du palmier. Et là, on tire vers le haut au maximum. Et on descend, on expire. Excellent. On y va une autre fois. Et hop, les bras inspirent. Et tire vers le haut. Et expire. Excellent. C'est bon. OK, donc pour la position du guerrier, on commence par prendre un grand pas avec notre jambe sur le côté, ici. Le pied avec lequel on a pris un pas, on le tourne dans la direction où on s'en va. Le pied derrière, il faut faire attention qu'il ne soit pas trop tourné vers l'arrière, mais bien vers l'avant aussi. On lève nos bras ici à la seconde et on plie la jambe devant.
On reste là pour 5 secondes. Et on va déplier la jambe. On va y aller une autre fois. On plie. Et on revient. Vous pouvez ramener les jambes. OK, donc la prochaine position, c'est la position du cadavre. Seulement en restant couché comme ça, les paumes des mains vers le sol. Prenez des grandes inspirations. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Excellent. Donc, la prochaine position, c'est la position facile. Vous allez apporter votre jambe. On va s'asseoir comme ça. On croise nos deux jambes ici. Quand vous n'êtes pas capable de rapprocher vos jambes autant, vous pouvez les laisser croiser un petit peu plus loin pour qu'elles soient moins pliées. Il n'y a pas de problème avec ça. On met nos mains sur nos genoux. Et on respire. On essaie de garder le dos droit. Et expire. Inspire. Et expire. Excellent. OK, donc la prochaine position, c'est la position du demi-arc. Ce qu'on va faire, on va plier l'avant-jambe, un de nos avant-jambes, et avec la même main, on va aller essayer d'attraper notre pied sans toutefois tirer sur la jambe pour que le genou soit très fléchi. Si c'est plus facile d'aller attraper votre talon, vous pouvez attraper votre talon sans problème. Excellent. On va aller avec l'autre jambe. Donc, on prend notre jambe gauche ou notre jambe droite et on va attraper avec la même main. Et on relâche. Maintenant, je vais vous montrer la position du demi-lotus. Donc, vous allez apporter votre jambe sur votre cuisse ici, le plus haut que vous pouvez, comme ça. Et ensuite, vous apportez l'autre jambe qui va venir croiser en dessous du genou que vous venez de croiser. Et vous restez ici, vous mettez vos mains sur vos genoux et gardez le dos droit. Lorsque vous faites du yoga, il est important de bien respirer. Le type de respiration que je vais vous montrer s'appelle la respiration frontale nettoyante et vous permettra de faire vos techniques de yoga adéquatement. Ce que vous devez faire, c'est vous asseoir dans une position confortable avec les mains sur les genoux et seulement inspirer en relâchant les muscles de votre abdomen. Donc, votre ventre va gonfler en inspirant. Et ensuite, vous expirez en poussant sur ces muscles-là. Donc, en rentrant votre ventre, comme on dirait, de tous les jours. On va prendre une position, la position triangulaire du palmier encore une fois, mais à gauche, on prend notre jambe. On ouvre la jambe ici, exactement. Tourne le pied dans la direction où on s'en va, les deux pieds. On lève nos bras en inspirant. Et on va vers la droite, votre droite, ma gauche, et on expire. On reste là pour une autre respiration. Et expire. Et on remonte. Excellent. Et on descend. Parfait. Donc, pour la position du pont, ce qu'on va faire, en gardant les jambes un petit peu écartées, vous avez calvé le bassin vers le haut. Ici, tout en contractant vos abdominaux pour garder la position à la même place. On reste là pour quelques secondes. Et on descend. OK, donc pour la pose du poisson, on va lever le torse vers le haut en gardant la tête au sol. Donc, vous faites juste lever le torse de quelques centimètres. Et on descend. Donc, pour la position du chat, ce qu'on va faire, avec les mains par terre et les genoux par terre, en partant d'un dos droit, on va aller courber notre dos ici pour faire un étirement. Et on revient. Un truc, c'est d'essayer de rentrer le nombril pour que le nombril aille vers le haut. Donc, on monte notre nombril vers le haut. Et on revient. Donc, la prochaine position, c'est la position de tête au genou. Vous allez rapprocher votre pied le plus près que vous pouvez. Allongez votre jambe sur le côté. Excellent. On va aller chercher notre pied avec nos deux mains, ici, et on essaie d'apporter notre tête à notre genou. Évidemment, c'est plus difficile que la tête au genou, c'est assez rare. Et on remonte. Excellent. Idéalement, on fait les deux côtés, donc ensuite, on va faire la jambe gauche. OK.
Pour la position du cobra, mettez vos mains à côté de vos épaules et vous allez arquer le dos en vous poussant, vous aidant vos bras le plus que vous pouvez. Exactement. Si vous êtes capable d'allonger vos bras, c'est idéal. Et on descend. Donc, la position triangulaire, celle-là, on prend un pas sur le côté, un grand pas. Et on va tourner les jambes dans la direction d'où on s'en va. On lève nos bras à la deuxième, comme si on faisait la position du guerrier. On va tourner notre corps, descendre ici. On s'assure que le bras reste en haut. Gardez les épaules droites. On reste là pour 3 respirations. Et remonte. C'est ça. Très bien. OK, donc pour la position oscillante, on garde nos pieds à la largeur des épaules. On amène nos mains à nos épaules ici. Gardez les coudes levés. On descend le corps. On essaie de garder le corps droit pour faire comme une table. Et on va chercher sur les côtés. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et une autre fois. Excellent, on peut remonter. Très bien. Donc, pour la position de l'arbre, vous allez placer votre jambe sur le mollet ici pour la position débutante. Apportez vos mains à votre torse et gardez la position. Fixez un point et essayez de ne pas bouger. Pour la position plus avancée, vous allez monter votre jambe à la cuisse ici. Vous accotez votre jambe là et montez vos bras en haut. Et vous devez rester là. Prendre 3 respirations. Et ensuite, vous descendez la jambe. Et ça, c'est la position de l'arbre. La prochaine position, c'est la position endormie. Cette pose, vous devez mettre vos mains ici, donc le dos de votre main face au sol. Et seulement apporter votre front au sol et relaxer. Prenez des grandes respirations.